Yo, bien ou bof, happiness, quelle soirée magnifique, quel match de nos Marvel. Les Gix, ils nous voyaient tous en neurofatigue, mais on est premier du groupe, ma gueule. Alors, hein, qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce qui paraît qu'ils disaient tous que le Macarena, leur Maracaca était imprenable, hein? Vas-y, répète, j'entends pas, qu'est-ce qu'on lui a fait à ta Maracaca? Ben si! Au bout de même pas 10 minutes de jeu, accélération d'Mbappétard, passe décisive d'Mbappétard, et but de Cava magnifique! Ça fait zizi! Et vers environ la 40e minute, c'est encore Neil Marvel qui a respecté personne, il s'est éclaté dans la surface, il a carrément mis une balayette au gardien avec sa fin de frappe, miskin! Ensuite, il a dansé la samba avec les défenseurs, et bim! 2-0, poteau! Ça fait zizi! Neil Marvel décisif, Neil Marvel incisif, Neil Marvel l'homme du match, mais pourquoi est-il aussi géant? Miskin, Neil Marvel, il savait même pas que la Macarena c'était aussi en Serbie. Dans l'avion pendant le voyage, il y a un de ses coéquipiers, il lui a dit Neil, tu connais la Maracaca? Elle a dit oui, la Macarena, oui, je connais, oui, bien sûr. Ensuite, en deuxième mi-temps, je dois bien avouer que le premier quart d'heure c'était assez délicat quand même. Parce que bon, faut pas oublier qu'on est invité, on leur met 2-0 à la mi-temps, déjà c'est chiant, alors on leur a laissé marquer un but quand même. Mais ça a pas duré longtemps parce que quelques minutes plus tard, un coup franc de Mamma Mia a transformé notre numéro 6 Marocchino en vrai numéro 9 avec une tête piquée dont lui seul a le secret, ma gueule. Et 3-1 pour Paname, ça fait zizi. Et pour finir, c'est Mbappétard qui a enfoncé le clou sur une passe des deux Neil Marvel et bim, 4-1 pour Paname, ça fait zizi. De toute façon, même la Ligue des Champions, ça commence à être trop facile pour Mbappétard. Deux passes des, un but, le gars, il croyait qu'il était en Ligue 1 tellement c'est facile pour lui. Résultat, on a gagné, tous nos Marvel ont assuré. Verratti en mode Doberman, un vrai chien de garde, ma gueule. Ça fait zizi. Et notre capitaine Thiago Silva, il a confirmé qu'il était bel et bien présent pendant les grands rendez-vous. Il était sur tous les ballons en défense, poteau. Ça fait zizi. Mais même s'ils ont tous été très bons, pour moi, l'homme du match, c'est Neil Marvel. Le mec, il a été décisif en attaque, en défense. Et malgré toutes les fautes subies, il a su garder son sang-froid. Alors que même moi, ça commençait grave à me vénérer. Et ça, ça fait zizi. Quelle soirée! Nos Marvel, ils nous ont vraiment honorés, poteau. Tous les Gix, ils nous voyaient déjà en neurofatigue. Mais tu vois ce maillot là, tu vois ce logo là. Ça, là, je l'ai déjà dit. C'est pas fait pour jouer le jeudi soir, ma gueule. Alors ton neurofatigue, tu peux te la garder, you know. Moi, chez moi. On a tous passé une formidable soirée. On était tous contents. Et même notre président Lasserre, il était content pendant son interview. Oui, je pense, je serais très très fier de ma joueur, de ma coach, de ma staff et de notre supporter. Parce que c'est pas dépasser les Déboros de Il arrive ici. Vraiment, je suis très fier de tout le monde aujourd'hui. Comme vous avez dit, vraiment, c'est pas facile ici. Il a un grand supporter ici. C'est difficile pour jouer ici. Personne n'a gagné ici. On a marqué 4 buts aujourd'hui. Je pense vraiment on a montré de grands caractères de Paris Saint-Germain. Le vrai visage de Paris Saint-Germain aujourd'hui. J'y suis très content. L'équipe, il a bien joué. Les attaquants, ils ont marqué. On est qualifié. C'est très grosse soirée pour le Paris Saint-Germain, pour les supporters. Pour tout le monde, c'est très très moment spécial pour moi, nettement émotionnel. Ah là là, les interviews de notre président Nasser, ça vaut toujours son pesant de cacahuète. Je t'aime Nasser, je t'aime ma gueule. Bref. Résultat, le PSG avait son destin entre ses mains et il l'a pris avec la poigne pour mettre une fessée à l'étoile rouge de Feskrad, poteau. Ça fait zizi. On est qualifié, on est premier du groupe. Merci à tous nos Marvel et à Thomas Totruel. Ça fait zizi. Voilà tout, qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour tarter notre prochaine victime. C'est tout pour moi, c'était AZ Story. On connaît les bails. Salut.